Louons l'Éternel qui nous fait la grâce d'être sur pied et en bonne santé en ce jour. Bonjour à vous et bienvenue sur le plateau d'Omdi d'Afrique. Eh bien, je suis heureuse d'être avec vous à cette heure de la journée, 12h chez nous. Nous vous souhaitons une bonne appétit et merci de nous suivre un peu de partout dans le monde entier. Alors, au menu de ce magazine aujourd'hui, le pasteur Licré nous enseignera la parole à travers Rectificatif, une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu. Physiquement, il ne sera pas là sur notre plateau, mais on va se ressasser de l'enseignement qui nous a distillé depuis la semaine dernière afin de fortifier notre âme davantage. Et pour finir, on sera avec les invités de la DCM pour leur permettre d'annoncer leurs différents événements. Je vous laisse en très bonne compagnie de ce clip du prophète révérend Fire qui nous chante Feu de Dieu. C'est parti. Et voilà, après ce très beau clip de ce chantre, nous allons partir avec Rectificatif, comme je l'ai dit tantôt. C'est une rubrique qui vous permet de rectifier vos différents comportements ici en tant qu'enfant de Dieu pour ces personnes qui ne le connaissaient pas encore. Et la semaine dernière, notre consultant était sur notre plateau. Il nous a donné une parole pour fortifier notre âme davantage. C'est parti avec cet élément vidéo. Rectificatif.
significatif à présent avec notre consultant de ce jour, le pasteur Licré. Comme je l'ai dit, eh bien, cette rubrique vous permet de rectifier vos différents comportements issus en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, nous parlons d'un thème aussi très évocateur, Jésus-Christ, le véritable Dieu. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment bien. Ça va? Ça va très bien. D'accord. Alors, pourquoi ce thème, Jésus-Christ, le véritable Dieu? Bien, merci pour la question. Vous savez, Béni TV est une chaîne chrétienne très très sérieuse. Et notre objectif n'est pas de créer la confusion dans le public, les gens qui nous regardent, qui nous suivent et qui savent que nous sommes très sérieux. Voilà, donc il faut éviter la confusion. Alors, j'ai dit que Jésus-Christ est le Dieu véritable parce qu'il y a des faux dieux. Quand on parle de véritable, c'est celui qui est vrai. Donc, nous allons nous baser sur les Écritures parce qu'on ne peut pas parler de Jésus-Christ sans ouvrir la Bible. On ne peut pas parler de Jésus-Christ non plus sans donner des références. C'est ce que nous disons. Et quand je le dis, je veux amener les chrétiens à savoir qui ils doivent adorer. Ils doivent adorer Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le Dieu véritable. On va prendre donc le verset même qui est au centre même de ce passage. Nous allons voir 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Il est écrit ceci. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, quand on parle, c'est ce qui m'intéresse au verset 21, on dit, c'est lui qui est, Jésus-Christ, dont on vient de parler, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ça, c'est très important. Alors, nous allons maintenant comprendre comment est-ce que Jésus-Christ est le Dieu véritable. Est-ce que Jésus est le vrai Dieu? Parce que c'est la même chose. Le vrai Dieu ou le Dieu véritable? Est-ce que le Dieu qui a été révélé dans le Nouveau Testament a un autre nom? Parce que dans l'Ancien Testament, effectivement, Dieu avait beaucoup de noms. Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, hein, Jéhovah Sabaoth, ainsi de suite, beaucoup de noms. On l'appelle aussi Yahweh. Mais quand Dieu s'est révélé dans le Nouveau Testament, le nom que nous connaissons, et le nom de Dieu que nous connaissons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alors, quand nous lisons Ésaïe, qui a beaucoup parlé de Jésus-Christ, Ésaïe chapitre 7, verset 14, il est écrit ceci, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signal. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ça, c'est Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe est donc en train d'annoncer la venue du Sauveur. Nous arrivons à Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Ésaïe chapitre 9, le verset 5 nous dit ceci, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Alors, ce qui m'intéresse ici, puisque si on dit qu'il n'est pas le Dieu véritable, vous comprenez déjà qu'on ne peut pas prendre le nom de Dieu pour dire, par exemple, que donner un nom à un féticheur pour dire que lui-là, il est le Dieu véritable. Ça va choquer tout le monde. Donc, à partir du moment où on dit qu'on l'appellera Père éternel, Dieu puissant, il n'y a pas plusieurs Pères éternels, il n'y a pas plusieurs Dieux puissants. Il est le seul Dieu, l'unique Dieu. Nous continuons notre démonstration. Alors, nous arrivons donc ici à Ésaïe chapitre 44, le verset 6. Il nous dit ceci. Ainsi parle l'Éternel. Écoutez bien, on dit ainsi parle l'Éternel. Roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Je suis le premier et je suis le dernier. Et hors de moi, il n'y a point de Dieu. Ça, c'est Ésaïe qui dit ça dans Ésaïe 44, verset 6. On va aller dans l'Apocalypse, chapitre 1, le verset 18. Et on va voir aussi qui est le premier et le dernier. Pour conclure, est-ce qu'il y a plusieurs premiers, est-ce qu'il y a plusieurs derniers? Si c'est la même personne, alors Jésus-Christ est le Dieu véritable. Ok, donc nous prenons Apocalypse, chapitre 1, le verset 17. Nous commençons au verset 17. Il est écrit ceci. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Quand on tombe au pied de quelqu'un comme mort, ça veut dire qu'on est en train de l'adorer. Comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant. Donc il va parler. C'est lui qui va parler là. On va savoir qui c'est. Déjà, il ne faut pas oublier que dans Ésaïe 44, verset 6, il nous a dit qu'il était le premier et le dernier. Nous sommes maintenant dans Apocalypse et nous continuons. Ne crains point. Donc celui qui est tombé à ses pieds là. Ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Le même qui a parlé de l'autre côté, il dit encore ici qu'il est le premier et le dernier. Nous sommes dans Apocalypse. Il continue le verset 18. « Et le vivant, j'étais mort, et voici,
Je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? Entre nous. Chrétien que vous avez entendu cela. Qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? C'est bien Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui est mort à la croix de Golgotha. Il est descendu à l'enfer. Il a fait sortir tous ceux qui étaient morts dans le Seigneur. Et il les a transférés au ciel. C'est Jésus-Christ qui tient aujourd'hui les clés de David. C'est lui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Alléluia. Pour dire qu'il a vécu la mort et il a vécu aussi le séjour des morts. Alléluia. Donc, quand nous voyons cela, nous comprenons très bien que il n'y a pas deux premiers, il n'y a pas deux derniers. Le même qui a dit que je suis le premier et le dernier, celui qui a encore une vie ici dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, qu'il est le premier et il est également le dernier. Mais vous savez que dans la Bible, il faut aussi considérer plusieurs versions. Quand vous allez dans la version Semeur, vous allez voir que c'est écrit clairement que Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est bien écrit Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable. C'est-à-dire que là même, on t'explique ça clairement. Voilà, pour ne même pas que tu aies de confusion. Parce que peut-être que les gens ne comprennent pas que ici, c'est Jésus-Christ qui est le Dieu véritable. Il n'y a pas plusieurs dieux véritables. Il n'y a que Jésus-Christ seul. Il est le Dieu véritable. Et vous voyez, quand nous sommes dans Matthieu chapitre 2, quand on prend dans Matthieu chapitre 2, au verset 2, il est écrit ceci. Maintenant, qui les chrétiens doivent adorer? Je dis bien, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre Dieu. C'est lui que nous devons adorer. Même si, vous voyez, si les gens l'ont adoré, vous avez les mages l'ont adoré. Ce n'est pas nous qui sommes chrétiens qui ne peuvent pas l'adorer. Là, il est encore bébé. Et voilà. Matthieu chapitre 2, verset 2 nous dit ceci. Et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils sont venus pour adorer qui? Ils sont venus pour adorer le roi des Juifs, c'est-à-dire ils sont venus pour adorer Jésus-Christ de Nazareth. Là, il était encore bébé. Alléluia. Donc, quand la Bible nous parle de Jésus-Christ, et nous parle de ce Dieu véritable, dans le livre de 1 Jean chapitre 5, verset 20, les chrétiens doivent comprendre cela. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de dieux. Et c'est pour ça que le Seigneur qui est un Dieu de sagesse, un Dieu de connaissance, en qui tout est regroupé, il a mis toute la plénitude de la divinité en Jésus-Christ. Et donc, les chrétiens doivent savoir faire la différence. Quand tout le monde dit Dieu, Dieu, là, ils doivent savoir de quel Dieu on parle. Est-ce que nous parlons du même Dieu? Je ne voulais pas citer des congrégations ici, je ne voulais pas citer des confessions, mais vous savez très bien que beaucoup parlent de Dieu. Oh Dieu, oh Dieu. Mais quel est le nom de leur Dieu? Le nom de notre Dieu, notre papa, notre père, comme cela a été dit, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tout chrétien qui ne confesse pas Jésus comme étant son père, comme étant le véritable, il est en dehors. Et ça, les gens doivent comprendre cela. C'est pour ça que Dieu a dit que ce Dieu-là, on doit le révéler. Et il est révélé, on doit connaître son nom. Parce que tout le monde parle de Dieu. Il y en a qui vont dans la forêt, il va parler de son Dieu. Il va au bord de la mer, il va parler de son Dieu. Il va quelque part, il va parler de Dieu. Et il va inviter même les gens à adorer ce Dieu-là. Mais est-ce que tu connais le Dieu que tu adores? Comment il s'appelle? Quel est son nom, ton Dieu que tu adores? Moi, j'aimerais bien poser cette question de savoir, oui, est-ce qu'il y a d'autres noms? À part Jésus, on appelle également Jéhovah, Elohim. Est-ce qu'on peut emprunter ces noms pour dire que nous adorons notre Dieu? Oui. Je vais te donner Actes chapitre 4, verset 12. Allons-y là-bas. Actes chapitre 4, verset 12. Tu as bien fait de poser ta question. Mais je vais te répondre à la lumière de la Bible. Et même, on peut aller un peu plus loin, hein, quand on finit avec Actes chapitre 4, verset 12. Il est écrit ceci. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il y a sous le ciel, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Et là, il parle de Jésus-Christ de Nazareth quand tu viens au verset 11. Donc, il n'y a pas un autre nom par lequel on peut être sauvé. Le seul nom qui a été donné, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que lorsqu'on dit Jéhovah Jireh, nous sommes dans l'erreur? Non, Jéhovah Jireh, moi je l'ai déjà dit. J'ai dit que toute la plénitude, la connaissance de Dieu, tous ces noms-là, Jéhovah Jireh, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui pourvoit. Mais Jésus-Christ, la Bible dit que nous avons pleinement tout en lui. Donc, tous les Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, tout ce que vous pouvez connaître là, tout est regroupé en Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois qu'on a connu Jésus-Christ de Nazareth, tous ces noms-là n'ont plus d'importance. Et c'est ce qu'il faut enseigner aux gens. Pour ne pas qu'ils se focalisent, ils s'attardent à dire le nom Jéhovah Shammah, ainsi de suite, tous ces noms-là. C'est vrai, ça existe. Mais c'est au moment où Dieu est en train d'opérer quelque chose, il prend un nom à ce Dieu-là. Il opère quelque chose ici, il prend un nom. Et maintenant, quand on arrive dans le Nouveau Testament, tous ces noms qui ont été donnés là sont regroupés dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit, dans Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8, que Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux. Ah,
Mais quel est ce nom-là qui peut être au-dessus de tous les noms dans les cieux, entre nous? Dans les cieux, c'est la terre et sous la terre. En son nom, tous genoux fléchis. Mais quand on est tous genoux fléchis, ça veut dire qu'il est en train d'adorer. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Qui est le Père? Mais ça a été dit. On l'a dit tout à l'heure dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. On dit, on va l'appeler Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. Mais on voit, il vient combien de fois? Chrétien, toi qui me regardes, qui m'entends, ton Dieu a un nom. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est le Dieu véritable. Quand on dit véritable, c'est pour te faire comprendre simplement qu'il y a de faux dieux. C'est pour ça qu'on parle de véritable. Et que tu ne dois pas aller adorer les idoles. Tu dois adorer Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu véritable. Tu dois te prosterner devant lui. Si les mages sont venus, le héros qui est méchant, les gens ont demandé où est né l'enfant pour qu'on puisse aussi l'adorer. Ça veut dire qu'ils connaissent l'importance de ce Dieu-là qui est venu et qu'il fallait l'adorer. Ça, c'était des gens même qui n'étaient même pas encore chrétiens, qui ne sont pas chrétiens, qui veulent adorer. En plus fort de nous qui sommes chrétiens. Comprenons une chose, les faux dieux ne sont pas adorés. On doit se garder des idoles. C'est pour cela que le nom-là est venu pour faire la différence. Parce qu'il y a plusieurs dieux. Les gens parlent de Dieu, mais de quel Dieu ils parlent? Notre Dieu, quand on quitte l'Ancien Testament, quand on vient dans le Nouveau Testament, il s'appelle simplement Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà qui est très bien dit. Amen. Merci papa. Alors ne vous laissez pas induire en erreur dorénavant. Voilà, le thème a été donné. Jésus-Christ, le véritable Dieu que l'on doit adorer. C'est cela. C'est cela, c'est clair. D'accord. Merci papa. Nous allons partir à présent avec Espace Annonce. Et voilà, la parole a été donnée. J'espère que vous avez pris bonne note de tout ce que notre consultant a donné comme conseil. Nous allons partir à présent pour parler de la deuxième session du voyage en Israël. C'est parti avec le révérend Paulie. Oui. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV et King Voyage. Oui, je suis là pour bénir tous ceux qui me suivent présentement et leur dire que les nouvelles sont très bonnes. Vous savez que nous tendons presque à la fin des inscriptions. Donc si je suis là, c'est pour dire à une personne qui me suit que tu peux encore t'inscrire pour te rendre en Israël, parce que quand on parle d'Israël, les gens n'ont pas compris la nécessité d'aller en Terre Sainte. Pour nous, aller en Terre Sainte, c'est entrer dans une dimension nouvelle. Israël, c'est un pays que Dieu s'est choisi. Dieu l'a promis à Abraham. Et pour ceux qui le savent bien, il y a plusieurs portes en Israël qui peuvent permettre à une personne de réussir ou de ne pas réussir. Le christianisme nous vient d'Israël. Et le Dieu d'Israël, le Dieu des Juifs que nous servons, est un Dieu qui authentifie ses actions et authentifie tout ce qu'il fait. Il laisse des traces pour que nous puissions booster la foi de ceux, jusqu'à preuve de contraire, qui doutent encore de cette réalité biblique-là. Donc, nous n'organisons pas pour nous du tourisme. Pour nous, c'est juste aller marcher dans les pas du Christ, permettre à une personne d'authentifier ce qu'il avait l'habitude de lire. Voilà, de lire, d'aller rendre sa foi, d'aller aiguiser sa foi et aussi enrichir sa connaissance. Donc nous organisons ce deuxième départ pour le mois de novembre et beaucoup nous appellent pour nous féliciter, pour nous encourager, et il y a beaucoup de réservations. Donc nous demandons aux personnes qui ont réservé déjà de passer à l'acte, venez à la maison de la télévision pour confirmer, et aussi ceux qui nous appellent à longueur de journée, qui veulent faire part de cette deuxième édition, les portes sont toujours ouvertes, bientôt ça va se fermer. Donc je suis là pour dire à une personne que ne te laisse pas rapporter ces faits qui se vivent en Israël. Tu peux aussi te rendre en Israël pour glorifier le nom de ton Dieu. Tu peux te rendre en Israël parce qu'on ne parlera pas d'aller en Israël. Pour nous, c'est monter vers Jérusalem. Monter vers Jérusalem, c'est hautement spirituel. Voilà. C'est un acte hautement spirituel qui change la vie, qui change la mentalité, qui change la compréhension. Quand tu visites les sites et que tu rentres en contact avec les portes du ciel qui ont été ouvertes par Dieu lui-même, tu te rends compte que réellement, Dieu, il n'est pas un Dieu dont il faut minimiser, mais il faut considérer son ouvrage et il faut bénir son nom. D'accord, on va aussi donner le prix, oui, la somme à débourser. Il faut dire que Béni TV a ce souci-là de permettre à toutes ces personnes qui ont déjà rêvé, qui rêvent de se rendre en Terre Sainte. C'est pourquoi, quand vous regarderez un peu au niveau national et international, nos prix sont véritablement accessibles à tous. Et nous faisons la possibilité à tous ceux qui veulent partir. C'est pourquoi c'est 1 560 000 francs, normalement.
simplement pour aller en Israël, on sait que c'est plus que cela, mais Dieu nous permet déjà, avec la grâce, puisque nous avons un fardeau de permettre au peuple de Dieu de se rendre en Israël, leur dit qu'avec 1 560 000 francs, ils peuvent se rendre en Israël. Passer d'abord pour la confirmation à hauteur de 100 000 francs pour déjà réserver votre place et vous permettre aussi de vous faire enregistrer afin que nous puissions caler déjà pour certains les visas, les billets d'avion, les chambres d'hôtel, tout ce qu'il y a lieu de faire pour permettre à toutes ces personnes qui ont rêvé un jour de se rendre en Israël, de se rendre sans fournir d'efforts. Parce que quand vous apportez les 100 000 francs, nous nous chargeons de tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre pour que lorsque vous soldez les 1 560 000, vous prenez seulement votre valise et vous rentrez en Israël le 26 novembre et vous revenez le 4 décembre par la grâce de Dieu avec une nouvelle mentalité. Et sache que nous irons avec des hommes de Dieu, les hommes de Dieu qui ont accepté de nous accompagner pour cette édition. Et dans chaque site qui seront visités, il y aura des actions qui seront posées pour cette fin d'année et aussi pour la nouvelle année. Donc voici ces deux choses que nous allons combiner pour la deuxième édition. Il y aura des hommes de Dieu de renom qui seront avec nous, qui vont nous booster d'abord dans des actions prophétiques et aussi permettre à toutes ces personnes qui seront avec nous de préparer leur fin d'année et en même temps leur début d'année. Mmh. Voilà. D'accord. On va donner les contacts pour avoir de plus amples détails. De plus en plus petit, certes, mais il y a une personne qui me suit qui doute encore un peu. Il est encore possible pour toi de te rendre en Israël pour changer l'histoire de ta vie. Les contacts 88 07 07 93 ou le 88 07 07 96. Vous avez tant désiré visiter Israël, la Terre Sainte, et marcher dans les pas de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est encore possible avec Béni TV. Deuxième session du voyage en Israël, et bien dépêchez-vous afin de vous inscrire car la liste sera close très 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 bientôt. Moi c'est ici que je vous dis au revoir, j'étais très heureuse d'être avec vous en ce jour. Rendez-vous demain 12h GMT, n'oubliez pas vous pouvez aussi nous voir et nous revoir sur notre site internet www.beni.tv et que l'Éternel vous bénisse. Au revoir. S'il n'y a pas de Dieu sur cette terre, alors l'homme vit sans espoir. Si je dis toutes ces choses à son égard, c'est parce que je l'ai rencontré. Il est la lumière du monde. J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre. Ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces forces invisibles et disent que tu n'existes pas. Ils se moquent et nous prennent pour des fous. Ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a voir souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et tu es le remède de ce monde. Seigneur descend et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi descend et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère et disent que tu n'existes pas. Ils amassent des richesses et dominent le monde. Ils disent tu n'as rien créé. Combien même tu fais des miracles, ils disent que tu n'existes pas. Et pourtant tous t'ont vu chasser les démons, ils disent tu n'as rien crié. Ta parole nous m'envoie à la croix, tu as tout accompli. Éternel, j'ai foi en toi. Éternel, j'ai foi en toi. Ah, ah, Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Jésus des sangs, tu es le remède de ce monde. Seigneur des sangs, que les mauvaises langues se taisent. Rabbi des sangs, descend, viens nous fortifier. Thank you.